Alors, donc, moi, c'est Pascal Joaran, mêlé un peu le porte-parole du groupement des artisans de Salazie dans le village artisanal à Marapundo. Et donc, ce village artisanal-là, ben, nous avons des ateliers artisanaux. Donc, nous faisons de l'artisanat avec tressage paille chouchou, vaqua, jus de canne. Et après, en même temps, ben, nous faisons des manifestations culturelles. Ben, là, comme aujourd'hui, par exemple, esclavage, marronnage, ou bien les belles créoles en octobre. Donc, il fait que nous, d'autres artistes, ils viennent joindre nos autres, danse traditionnelle, théâtre, peintre, sculpteur, avec ce village artisanal. L'objectif, c'est de donner une dimension culturelle au village, à ce village-là, et aussi pour dans le cirque, un rayonnement. Et là, nous tiens à remercier toute bonne collectivité, soutient nous, CIRES, Région, Conseil Général, et les autres, la Chambre des métiers, pour que nous gagnions fait ces manifestations-là, pour que ben, dans le village de Salazie, ben, il y ait un grand mouvement culturel que l'on est en train de naître et que il y ait vraiment la culture dans le siècle de Salazie. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand de monde y vient, ben, ceux qui voient les bonnes artisans, ils sont en train de travailler, ceux qui peuvent déguster un jus de canne, ceux qui peuvent demander les informations. Les artistes sont là depuis le grand matin, ils mangent avec nous. Donc, c'est un concept vraiment, pas chacun y vient jouer un coup, après il s'en va, il dit au revoir, etc. Non, c'est un concept où nous prend de monde d'en bas, que ce soit le port, Saint-André, ben, ceux qui viennent à notre rencontre, ceux qui viennent partager avec nous et les autres associations, il fait qu'il ben, y a un grand mouvement culturel que l'on est en train de naître. Mais maintenant, nous sommes sur la coopération en chien. Nous fêtons la liberté, soi-disant. Nous ne pas si le mot liberté, est-ce que nous l'avons connu toujours? Non. La liberté est race, la liberté ne donne pas, la liberté ne décrète pas. Mais elle est là pour dire ça, tout ça. Mais gratte un petit guitare pour nous là? Ben, le temps mis à faire. Oh. Il tient le housse, et puis il n'y a pas un problème, au contraire. Salazie, Marapundo, un petit son, Marapundo. Comme une bénédiction. Hein. Et n'oubliez pas, nous sommes en place une gouvernance pour la Réunion parce que nous n'avons plus confiance aux banques coloniales, les étrangers sont en train de diriger notre pays. Et nous disons pas tout aujourd'hui, mais nous disons un peu dans le morceau. Hein. Après, les autres connaissent. Dans la ravine d'un quai à soleil, le clair y graine. Et la cascade jolie mamselle, la fusil d'eau en son soleil. Hein, nous le contentons, nous le saladis, parce que la Marapundo d'eau, quand nous regarde tout le versant par là-bas, là, pourquoi ben, ils payent de l'eau? Mettre bambou, fait comme longtemps, même de l'eau, paye puis de l'eau. De l'eau, les serres, il est tellement serre comme si de l'eau, ils sont là-bas, nous payent de l'eau, ils sont en France comme là. Nous payent de l'eau la France. C'est bon projet pour l'avenir là. Ben, avec ben, Laurent Chamcam, on allait pas trop loin à côté de nous là. D'ailleurs, Raoul y arrive. Et ça a fait 20 ans de Cascavel. C'est pas 20 ans de Kayambe. Hein. 20 ans de Cascavel, 2013, Théâtre Saint-Gilles. Nous rassemblons cette saline, plein de musiciens. Et puis nous faisons un mètre ensemble, dis-moi, comme un vivre ensemble. L'ami doit attendre au demain de Waro là, là pour arriver, peut-être il ne vient pas. Son manifeste vivant créole. Ah, c'est-à-dire, comment, c'est-à-dire, pour moi, c'est comment c'est à nous vivants réunionnais. Alors, Fabien, qu'est-ce que là? Ben, nous, j'ai un peu d'association avec Pascal. Pascal l'a invité à nous pour jouer. Et notre groupe, il s'appelle Pangaz. Nous, c'est un jeune groupe. Là, c'est nous, certainement, 3e, 4e, 5e, tout simplement. Le groupe, comment il s'appelle Pangaz? Pangaz. Oui. D'accord, c'est un groupe pour ça, ça? Salazie, nous sommes Salazie Village même. D'accord, voilà. C'est un groupe familial? Familial, oui, oui, oui. Alors, ben, Nena, papa, il joue percussion. On a la sœur, il fait le chœur. Le premier frère, il fait clavier, trompette, un peu percussion. On a le deuxième frère, il joue la basse. Et on a le beau-frère, il joue batterie. Et voilà. Et là, dans tout ça, on fait quoi? Ben, mais je guitare, mais je chante. Alors, ok, là, ça fait pour nous là. Bon, on est là pour une guitare, à moins que, ok, non, mais... non. Non, juste une phrase. Allez. Dans le fond de mon cœur, Nena, un soleil. Il demande rien que pour briller, pour briller. Dans le fond de notre cœur, Nena, un soleil. Il demande rien que pour briller, pour briller. Pour mes ancêtres, voilà. Il vient de Madagascar. On a commencé avec Madagascar. Et après, bien sûr, la partie de tout le pays que nous connaissons. Et un petit son, il dit comme ça, ça c'est pour dire l'esprit, mais assis, je dis à Danou tout le temps. Par rapport à comment Bogla l'a dit, à
à chaque soir, c'est un recommencement pour le matin. Madagascar. L'engraisse bonne colonisateur la met en l'air, soi-disant l'économie. Ces esclaves, quand vous êtes mis dans le maïs, t'es pique nos enfants sous gros soleil midi, t'es encore dans l'habitation. Ces esclaves, comme un nao toi d'offé, t'es souplé d'un aim maloya, zot tout l'air, zot peine, zot joie, tout ça là d'un aim maloya pimenté, bien écrasé. Ces esclaves, ça les donne l'âme. Ça y fait mal, ça l'est normal. Comme le temps la manque et passion donne cap la force son dominance. Ces esclaves, messieurs, madame, comme des femmes en zeltine, t'incline devant patron, point gazon, manse et cuit, y remercie vous en joignez. Ces esclaves, comme la cagade, sans limites, vous soulève à toi, vous soquez à toi, comment, comment. DJ vaccin de nom. Ouya, ouya, que tu fais de bouche à toi, mon ami.